Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce 24e jour du mois. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement au calme afin de réaliser ces exercices d'expansion de conscience. Ressentez tout votre corps, détendez consciemment chaque muscle de votre corps, puis vous allez pouvoir fermer les yeux et respirer profondément, lentement, consciemment. Au fur et à mesure que vous respirez, vous pouvez sentir toutes les parties de votre corps se détendre. À chaque respiration, un peu plus profondément, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de vous. À partir de là, vous allez pouvoir visualiser une magnifique connexion avec le chakra racine qui va descendre à travers vos pieds dans le sol sous la forme d'un rayon rouge qui descend profondément dans la terre. Lorsque vous sentez que ce rayon est bien déployé dans la terre, toujours en respirant profondément et consciemment, visualisez que vous absorbez les énergies telluriques qui remontent par ce rayon, par la plante des pieds, par le chakra racine, qui vient diffuser une belle lumière, une belle et douce chaleur dans la colonne vertébrale, dans tout le corps. Lorsque vous sentez que vous êtes bien connecté aux énergies telluriques, vous allez pouvoir visualiser qu'au sommet de votre tête se déploie une belle fleur de lotus blanc qui scintille. Et de là, voir un grand tube de lumière partir dans le ciel, partir dans l'univers, et sentir que toutes les étoiles s'y connectent, toutes les galaxies. Et toujours en respirant, visualisez que vous absorbez ces énergies cosmiques qui rentre en vous par le chakra couronne. Lorsque vous sentez que ces énergies sont harmonieuses et bien intégrées dans toutes les structures de votre corps, c'est que vous êtes prêt à faire le premier exercice du jour. Pendant la séance de concentration de ce jour, du mois, vous devez pouvoir obtenir n'importe quel objet pouvant découler d'une forme humaine. Par exemple, un disque compact, un stylo, une fleur ou une plante. Vous devez voir quel élément de la forme humaine peut être utilisé pour créer. Disons un disque compact. Comment faut-il conscientiser l'image de l'homme pour obtenir cet objet? Il est important de prendre conscience que si vous vous trouvez dans une pièce, la plupart des choses autour de vous sont nées au même endroit, dans l'esprit de l'homme. Lorsque vous concevez une table, lorsque vous concevez un objet, quoi que ce soit que vous allez créer, vous allez toujours l'utiliser, créer cette structure dans un premier temps dans votre esprit. L'esprit est vraiment le premier plan de travail qui produit la création par la suite. Le fait de savoir utiliser ces structures à l'intérieur de nous permet de projeter énormément de choses. Les inventeurs, les savants utilisent très souvent cette partie-là de leur esprit. Second exercice, série numérique à 7 chiffres. Créez une belle bulle de lumière entre vos mains, puis vous allez pouvoir visualiser qu'à chaque respiration, vous respirez le vent qui souffle dans les feuilles des arbres, les nuages qui bougent. Sentir cette énergie venir en vous. Vous allez souffler cette énergie dans la bulle. En même temps, vous pouvez visualiser que les énergies du soleil descendent sur vous par le chakra couronne et que lorsque vous soufflez cette lumière dans la bulle, il y a également les éléments du soleil, du feu. Vous pouvez également visualiser les cascades, les torrents qui coulent, la puissance des vagues, et mettre toute cette énergie dans la bulle en même temps. Vous pouvez choisir les éléments qui vous parlent le plus, vous y connecter pour envoyer toutes ces énergies dans la bulle. Et lorsque vous sentez que cette bulle est bien remplie de lumière, vous allez pouvoir envoyer les chiffres un à un au cœur de cette bulle. 5, 1, 8, 4, 3, 2, 5.
Puis vous allez pouvoir aller positionner cette bulle à une trentaine de centimètres au-dessus de votre tête, faire descendre une grande colonne de lumière dorée sur cette bulle et visualiser cette bulle rayonner sur vous, sur votre aura. Remplir tout votre aura d'une belle lumière dorée. Puis lorsque vous sentez que ces informations sont bien intégrées, c'est que vous êtes prêt à passer à la série numérique suivante. Série numérique à 9 chiffres. Créez à nouveau une belle bulle de lumière entre vos mains. Vous pouvez vous connecter à différents éléments, ceux avec lesquels vous avez plus d'affinité, et souffler de la lumière dans cette bulle, ou visualiser que depuis votre chakra cardiaque part un joli rayon de lumière dorée qui vient dans cette bulle, qui la remplit de lumière, d'énergie. Et lorsque vous sentez que cette bulle est complètement remplie d'énergie, c'est qu'elle est prête à recevoir les informations à l'intérieur. 1, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Puis vous allez pouvoir positionner cette bulle à 30 cm au-dessus de votre tête, toujours faire descendre une belle colonne de lumière sur cette bulle, et la faire rayonner, scintiller sur vous, sur votre aura. Laissez toutes ces structures informationnelles rayonner dans tout votre être. Et lorsque vous sentez que tout votre être est rempli de lumière, d'informations, que vous ressentez sûrement un écho de cette information, c'est qu'elle a été bien intégrée dans toutes vos structures. Troisième exercice du jour. Vous avez vu la réalité que vous êtes apte à percevoir. Vous êtes arrivé vers la réalité que vous êtes. Considérez l'ensemble des jours passés du 1er au 24e jour et prenez conscience que votre amour est infini. Observez le monde avec amour. Observez vos sentiments et comprenez comment vous les créez. Regardez vos sentiments comme un élément de création éternelle et vous arriverez vers l'amour, tout comme vers l'éternité. Vous êtes là pour toujours. Votre Dieu, votre Créateur, vous a créé comme un être aimant. Vous êtes une création divine et vous ressentez de l'amour. L'amour est la vie, et la vie est l'amour. Manifestez votre amour partout, où que vous soyez. Manifestez votre amour dans les conditions où vous vous trouvez, et dans les lieux où vous envisagez d'aller. L'amour ne s'exprime pas au travers des paroles ou dans les sentiments, mais au travers de vos actions, à l'endroit même de leur création. Lorsque l'on médite et que l'on prend conscience que les atomes sont composés de vide et que toute la structure de la matière n'est composée en réalité que d'un amour pur et inconditionnel qui nous permet de faire l'expérience de ce corps, de tout ce qui est rattaché à l'incarnation, on prend conscience que dans l'essence même de la vie, de l'existence, il y a de l'amour partout. Je vous remercie d'avoir fait les exercices de ce jour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour les prochains exercices. Au revoir.